C'est peut-être la dernière sculpture que j'ai faite dans cet atelier, dans ce lieu que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup travaillé et où j'ai commencé à vivre et travailler en espérant que je vais pouvoir finir ici, dans cette maison, mon œuvre et ma vie. À quel départ se prépare mon ami Pierre Zekeli? Je ne le sais pas encore, mais je suis venu au plus vite, comme il le voulait, filmer la réalisation de cette dernière sculpture. En arrivant ce matin dans son atelier parisien du 20e arrondissement, je n'ai pas vraiment reconnu les lieux déjà aux trois quarts vidés. Je me souviens qu'il y avait ici, autrefois, autant de sculptures que d'arbres dans une forêt. J'avais partagé l'atmosphère joyeuse qui y régnait à la fin des années 80, quand son fils Gabriel et sa femme, le peintre Dominique Lassalle, habitaient encore avec lui. J'aimerais bien comprendre les vraies raisons de cet abandon de tout. Et c'était quand j'avais 70 ans, c'est-à-dire il y a 7 années de ça, je me suis posé la question... à voir quel est le fruit de ma vie, à quoi ça a servi pour moi de vivre pendant 70 ans, travailler, faire des tas de choses, voyager, etc. Eh bien, ma voix intérieure, que je considère comme une sorte de rencontre, une sorte d'arc, n'est-ce pas? Comme une sorte de rencontre de l'inspiration et de l'intuition, a répondu très vite et très fort. À ma grande surprise, ma voix intérieure a dit « Le fruit de ta vie, ce n'est pas tes sculptures. Ce n'est pas mes sculptures, ce n'est pas mes enfants. C'est pas ça qu'on pourrait dire à première vue, n'est-ce pas? C'est pas pour ça. C'est pas ça que j'ai. C'est pas ça qui est véritablement le fruit de ma vie. C'est autre chose. » Et cette autre chose, vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, que ma voix intérieure a appelée, c'est la découverte de la troisième réalité. Moi qui l'a fait, mais il y a assez longtemps, dans le temps, et je la sens tout à fait actuelle pour moi. Mon véritable critère, c'est que mon travail doit arriver à vivre. Alors, c'est une exigence extrême. Et si j'ai le sentiment que se met à vivre mon travail, j'arrête de travailler presque tout de suite, parce que si je continue, je risque de la blesser ou de la tuer. Mais si elle vit, elle est arrivée à accomplir son rôle, être vivant. Et pourquoi vivant? Pourquoi j'utilise ce mot? Eh bien, je vais vous dire, je ne crois pas dans la distinction de la matière et de l'esprit, ce qui est très, très courant dans notre civilisation et dans nos religions. Je n'y crois pas. Si je mets une pierre sur la table de mon atelier le matin, je peux dire encore que c'est de la matière. Et mon imagination, autre chose que mon idée, mon envie, je peux dire que c'est mon esprit. Tout l'univers qui existe pour moi est un amour, si vous voulez, un amour, une réunion harmonieuse et jouissive et parfaite des deux choses apparemment contradictoires, matière et esprit. C'était sur les montagnes à côté du Danube, en Hongrie, dans mon pays natal, que j'ai eu un rêve éveillé, une sorte de vision. J'étais un vieillard avec une longue barbe blanche, dans un lieu élevé, non déterminé, et je tenais dans ma main un grand cristal formidable, le fruit d'un très long et précieux travail, et je savais qu'il s'agissait là d'avoir réussi de matérialiser la lumière sous forme de cristal. Et une voix d'un être supérieur était là quelque part et je devais lui présenter mon œuvre. Et en voulant présenter mon chef-d'œuvre, j'ai trébuché et j'ai laissé tomber mon grand cristal. Et j'ai vu, enfin j'ai vu, ou j'ai imaginé qu'il tombe à travers un espace noir infiniment long et qu'il s'écrase en 1000 morceaux sur la terre. Alors, cette voix de l'être supérieur à qui j'aurais dû présenter mon chef-d'œuvre a ri et m'a dit « va et ramasse ». Avant de quitter mon atelier, j'ai encore ramassé les dernières chutes, et voilà, sous forme de 3 petites sculptures, et sous forme de la 4e que vous avez vue ce matin. Elle s'appelle Sec. Sec 2000. Pourquoi Sec? Parce que mon fils, qui s'appelle Gabriel, à son école, où on le connaît sous le nom de Gabriel Sekeli, est appelé par ses copains Sec, et lui, il a bien réagi à ce sobriquet en l'adoptant, disant « je suis sec ». Les dragons en Asie, en Chine ou au Japon ailleurs, n'ont pas du tout la même signification comme chez nous. Chez nous, c'est le mal, c'est le diable qu'il faut maîtriser ou qu'il faut tuer. C'est Lucifer, c'est Belzébuth, c'est d'autres. Non, en Asie, c'est la force de la nature, le dragon. C'est l'image de l'empereur. C'est la puissance supérieure. Et la boule, dans tous les cas, dans le monde entier, depuis que l'on fait des sculptures, signifie toujours la plénitude. tous les monstres des mythologies anciennes ont toujours une répercussion humaine du fait qu'ils ont quelque chose de surhumain et quelque chose de sous-humain. Sans pouvoir préciser et déterminer ce que c'est l'homme, on peut le voir ou le toucher ou le comprendre dans l'étau, pris dans l'étau du surhumain et du sous-humain, n'est-ce pas? C'est là que se trouve l'humain. Qu'est-ce que j'ai dit comme nom? Chérub, oui. Ça doit être ça. J'aimerais quand même toucher un point sensible qui me semble être important dans ma vision du monde. C'est la conscience, que nous appelons la conscience. Que cette conscience, curieusement, n'est pas la matière et n'est pas l'esprit. Donc, si nous voulons absolument rester sur la base de la dualité habituelle de la vision du monde, n'est-ce pas, où nous distinguons matière et esprit, corps et âme, eh bien, la conscience d'un être humain ne peut être mise ni du côté corps, ni du côté âme. C'est déjà la troisième réalité présente en chacun de nous. Et peut-être j'ai pas tort en pensant que la maturation de cette conscience est le véritable but de ma vie et de la vie de probablement d'autres êtres humains, sinon de tout le monde. Nous sommes faits pour ça. Grâce à son nouveau design, l'Active Ball Dye Liquide, c'est super facile pour pré-traiter. Elle agit ensuite au capillage, un résultat impeccable. On est parfois décalé, mais au fond, on est d'accord sur l'essentiel. Cette pierre-là que vous voyez, qui signifie maintenant une sorte de tête, encore que des cornes comme ça, ça n'existait pas, ni des dents comme ça n'existait pas, ni un nez triangulaire comme ça n'existe pas. Mais à l'origine, c'est une pierre que j'ai trouvée et j'ai très peu touchée. Vous voyez, donc c'est ni figuratif ni abstrait parce que c'est une pierre que la nature m'a préparée durant 60 millions d'années. Et je n'ai qu'à ajouter quelques minutes de travail pour que je puisse l'utiliser pour mon petit diable que je vais appeler, cette sculpture, je vais la nommer « Je ne suis pas là », puisque je vais partir d'ici. Alors elle annonce mon départ, cette petite sculpture, ce petit diable, avec son nom, se présentant « Je ne suis pas là ». Fordítom sem. Jó. Ça, vous les avez trouvés, c'est des restes d'anciennes sculptures qui datent de longtemps, des fois, là, qui sont là? Oui, oui, il y a des chutes d'anciennes sculptures, mais il y a aussi des chutes dont j'ignore l'origine. Qui sont arrivées par hasard? S'il y a un hasard, on se demande parfois si vraiment le hasard existe. Donc ces véritables pieds sont là, mais il va se reposer de manière très efficace sur sa queue. Alors là, il est sur sa queue? Pour l'instant, oui. Vous voyez, sa queue est suffisamment forte pour la tenir déjà sans pied. Mais d'abord, je vais les former, incisément. Donc si vous revenez dans une semaine, vous pouvez voir. Et il y aura d'autres transformations, ou d'autres plutôt achèvements. Je pense que ma vie se structure en 3 tiers. Premier tiers, il faut que je reconnaisse que je connaisse le monde dans la mesure du possible. Deuxième tiers, il faut que j'ajoute quelque chose à ce monde. C'est mon œuvre. Troisième tiers, il faut que j'essaie de me débarrasser, de me libérer au maximum de tout. Et je suis au début de ce 3e tiers. Pour le 4e tiers? Il n'y en a pas. Le 4e tiers, effectivement, c'est l'inconnu. Alors, depuis l'autre jour, vous avez travaillé combien de fois là, tous les matins? Je me demande pourquoi j'avais envie de faire justement un petit diable, ou un dragon vertical, si vous voulez. C'est qu'il y a un proverbe portugais qui dit que le bon Dieu habite dans les détails. Autour d'un bon repas de fromage et de paprika, nous oublions cette dernière sculpture. Je regarde Pierre Zecchelli faire la vaisselle, sans ôter sa montre qu'il est bien le seul à placer là, sur le dessus de la main. Gabriel se détend sur le lit paternel, et Sébastien traduit en anglais les titres de dessins que le sculpteur doit apporter bientôt à son éditeur de Budapest. « Vous devriez venir avec moi en Hongrie », me propose alors Pierre Zecchelli. J'y vais en bus. Cela fera une belle fin au film. Son amie Margit peut me loger, J'attends depuis toujours l'occasion de le suivre dans son pays natal. J'accepte avec plaisir. T'es sûr qu'on a dit ça, gardien angel, parce que c'est un mot d'usage. Je pense. Human family, ok. Life is journey. Journey, voyage. Mais est-ce que ça marche, le journey, dans ce cas-là? Pas traveling? Je préfère journey. Moi, je préfère traveling, parce qu'on traverse. C'est ça. Tu vois? Oui, t'as raison. D'accord. La vie est voyage. Donc, life is... Quoi? Traveling. Traveling. En anglais, oui, Kishline, c'est bien. Oui, mais c'est pareil. Oui. En français, petite fille aussi, ça ajoute quelque chose. Mais en anglais, non. En anglais, kitchenette, n'est-ce pas? Petite cuisine, anglais cuisine n'est pas assez bonne pour donner les noms de mes œuvres, de mes dessins, en l'occurrence, en anglais. Donc, c'est mon ami Sébastien Lugosi, prince pour les intimes, qui m'aide. Qu'est-ce que c'est? C'est la baigneuse de Komatsu. Je suis sûr que tu fais exprès de faire des fautes. La faute, c'est comme la blessure. Ça permet de voir profondément la vérité. D'ailleurs, les Japonais cultivent les défauts esthétiquement parlant. Ils tiennent aux divers défauts de la matière, du papier, du pinceau, etc. Parce que, justement, ça trahit l'objet, ça trahit l'instrument. Mais même chez les personnes. Oui. Ben, vous m'aimez comme ça, comme je suis, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Fabien, je vous plais comme ça. Moi, je vous aime tout court. Ben, c'est ça, oui. Et vous êtes fidèle en plus. Hein? Ben, déjà, vous avez déjà fait une épreuve de fidélité. Ça fait combien d'années qu'on en est là? Ça fait au moins 10 ans. Ça fait depuis que Juliette est née, oui. Ouais. Donc, ici, 12 ans. 12 ans. Oui. Un bon début. C'est ça. Oh, mais c'est pas le nombre des années qui compte seulement, il y a autre chose. C'est l'ouverture. Un peu difficile d'y croire. Mais j'apprends ce matin du 3 avril le décès brutal de Pierre Zekeli d'une crise cardiaque. Les photos que j'ai sous les yeux parlent déjà de cette absence. Je pense à son Danube natal qu'il ne reverra plus. Je vais à la Salpêtrière voir une dernière fois le corps terrestre de mon ami. Je décide de faire une photo. Lui, de dos, les pieds dans la lumière de la porte vitrée, comme prêt à décoller. Le ciel est sous nos pieds, dis-je, en forme de prière. Et voilà ce qu'il nous laisse pour accéder à ce ciel. Une œuvre bien concrète de plus de 2000 pièces disséminées sur 3 continents. Des sculptures monumentales de pierre dure, mais aussi un grand nombre d'estampes, ainsi que des réalisations architecturales complètement futuristes, lunaires. C'est au Japon qu'il a le plus travaillé ces 20 dernières années, qu'il s'est senti bien, reconnu comme un sage par un maître bouddhiste qui lui a donné le nom de Pierre Dragon. Ces créatures de granit, dont il révélait l'existence primitive à la flamme de son chalumeau Salamandre Alpha, sont sans doute ces fragments d'absolu dont il arrivait un jour au bord d'une courbe du Danube. « Va et ramasse », lui avait dit le vieil homme à barbe blanche. « Je sens bien que cette histoire se reproduit pour moi, maintenant, à travers lui. » Nous allons nous rendre au crématorium. Vous êtes avec des voitures, non? Vous avez à pied. Le crématorium à pied, c'est la première à droite. Première à gauche, c'est la première à droite. Je crois entendre Pierre Zekeli rire au-dessus de moi de la bonne blague qu'il m'a faite. Vous voyez la flamme? Autrefois, oui. J'en suis à me poser de drôles de questions, comme « Pourquoi meurt-on » ? Je veux dire « Pourquoi meurt-on à un moment précis ?» Mon ami Jack, une artiste polonaise qui a connu Pierre Zekeli, me donne sa réponse. C'est-à-dire on meurt au moment d'un équilibre entre la matière et l'esprit. C'est un équilibre parfait. Et d'ailleurs, on dit qu'on sent quand la mort approche. C'est-à-dire... Quand la matière, elle est pleine, elle est en train de vraiment presque craquer, c'est-à-dire se pulvériser, et quand l'esprit lui-même, il est une lumière, il est une force lumineuse extraordinaire. Oui, parce que, bon, je n'avais pas ma corpulence il y a 50 ans, mais je ne ressemblais pas non plus au Bouddha, comme maintenant. Devant tant de certitudes, je sens que je n'ai pas le choix. Je dois continuer ce film coûte que coûte. à la recherche de la troisième réalité de Pierre Zéchelli. Je vais au cimetière de Valenton voir son jardin de la méditation des âges de la vie dont il m'a si souvent parlé. À travers sa fenêtre de la mort, je regarde les blocs de granit qui figurent les étapes d'une vie d'homme. Un cheminement qu'il a imaginé sans commencement, ni fin, de l'au-delà à l'en-deçà de l'inconnu. Que savait-il vraiment de cet inconnu ? Écoutez, voilà, j'ai touché à quelque chose que je peux appeler, sans exagération, le but de ma vie alors que je vis encore. N'est-ce pas? Apparemment, non? Apparemment. J'ai besoin de rencontrer physiquement ceux qui l'ont connu. À Saint-Marcelin, Fred et Monique Gelas m'accueillent chaleureusement au Bateau Ivre, leur maison conçue par Pierre Zéchelli et sa première femme Vera en 1956. Les deux couples ont été longtemps très proches. C'est toi qui as plus discuté, moi j'ai plus... Oui, à ce moment-là, il aurait fallu continuer toute l'existence presque à pouvoir discuter, mais enfin, ils restaient chez eux. Moi, je dis chez eux parce que autant que chez Pierre que chez Vera, un fond, je veux dire, religieux, entre guillemets. Judéo-chrétien. Judéo-chrétien, on peut dire. Plus qu'humaniste. D'accord, humaniste, oui. Mais au-delà, quand même, de l'humanisme. C'est-à-dire, au-delà d'un humanisme, d'ailleurs, on peut, oui, quand on dit au-delà de l'humanisme, c'est-à-dire vers des forces qui existent. Enfin, eux, en tout cas, Vera y croyait très, très fort. Et même Pierre, ça j'en ai discuté, la fois on a discuté jusqu'à 4 h du matin, là au pied de la cheminée, c'était justement de ça qu'on parlait. On cherchait ces forces contrôlées, incontrôlées, etc. Eux, ils étaient très titillés par ça. Vous voyez, donc pas uniquement humanisme. L'humanisme coupe quand même, hein, se dit bon, on s'arrête là, hein, on va pas plus loin que le mur, si je puis dire. Tandis qu'eux allaient quand même au-delà, ils cherchaient de ce qu'on pouvait voir au-delà du mur, si je puis dire, ou au-delà du miroir. Peter Zéchelli est certainement un des hommes les plus importants, un des artistes les plus importants, parmi pas mal tout de même, que j'ai connu dans ma vie, et qui survit en moi, avec lequel maintenant qu'il est mort, je continue un dialogue parce que je me demande si une fois je vois tout ce qu'il a fait et je relis ses mémoires, parce que je dois encore dire que c'est quelques mois seulement avant sa disparition que j'ai lu son livre avec immensément de surprise, et je lui ai alors téléphoné en disant « Je savais que tu es un grand artiste, mais que tu es un si bon écrivain. » Alors ça, je le vois maintenant seulement, un si bon écrivain, un homme si sage. Je crois qu'il concevait lui-même ses œuvres comme des moyens, des médiums, des médias, pour, en quelque sorte, des passerelles. À la fois pour aller vers cette troisième réalité et pour en explorer les caractéristiques. Et d'où tout son dogme, tout son credo de l'archétype et de la monumentalité. Donc l'archétype, c'est bien ce qui précède quelque chose, c'est-à-dire ce qui précède l'existence du monde dualiste. Il était assez fort pour pousser les gens à réfléchir à ces sujets-là qui sont des sujets pas évidents. Oui, je dirais même pas réfléchir, mais vraiment les ressentir. Hein. Voilà. Vraiment en action. Parce que réfléchir, d'accord, c'est aussi une certaine action, mais quand même, réfléchir, c'est seulement une partie en fait, de cette dualité, si on veut dire. Et si on réfléchit seulement, on ne peut pas arriver à vraiment ressentir la troisième dimension. Je ne suis pas là. S'il n'est pas là, alors où est-il? Je pense que il est en tout cas entre même aujourd'hui, je pense, entre le ciel et la terre. Joli. Avec ce, vous savez que il est incinéré. Et je pense que c'est symbolique également. Il n'est pas enterré. Il est vraiment entre ces deux éléments, quelque part. Ce quelque part qui n'est peut-être nulle part me donne quand même envie de le suivre là où il voulait aller, en Hongrie. Un voyage de 24 heures, fantomatique, pendant lequel je l'entends parler sans arrêt sur le fauteuil vide à mes côtés. Cette troisième réalité, ce n'est pas impossible qu'elle a préexisté, qu'elle existera même après ma mort. Donc c'est un lieu qui me précède ou qui me suit, d'où je viens et où je vais. Ce n'est pas impossible. On arrive à Budapest, merci votre attention, au revoir, à bientôt. Bye bye. Budapest, où je fais connaissance avec son amie Margit Lovache. C'est vous qui m'avez prévenue, je le savais avant tout le monde. Moi, je n'ai pas pleuré parce que je pense que les dieux étaient très gentils avec lui et qu'il a pu partir comme ça, sans agonie, sans souffrance. Tandis qu'elle m'emmène dans l'appartement de la rue Molnár, tout près du Danube, je lui tends la dernière photo de Pierre Székely avec sa sculpture « Je ne suis pas là ». J'aimais beaucoup l'oiseau, vous savez, l'oiseau de la paix. Je trouve dans cette forme presque conique, qui n'est pas... quelque chose dans cet oiseau-là. Je trouve je ne sais pas, je trouve quelque chose de rassurant, je trouve quelque chose dans le sens de l'arrivée, comme si on venait de très loin, on arrive et on se pose. On se pose presque pour ne pas partir. Au musée des Beaux-Arts, le directeur Miklos Moger écoute avec émotion mon récit des derniers jours de son ami. Je cherche à avoir son sentiment sur la vie spirituelle du sculpteur. Ezek a totemisztikus alkotásai, ezek mondhatnám azt, hogy pompás, vallásos, vagy mondjuk nem a transzcendentális vágyaknak az apró pénzre vált, egy nagyon imponáló apró pénzre váltása. Ő egy olyan alkotó volt, aki az isteneit maga alkotja, és nem a képeiket csinálja meg, hanem alkalmi alkotásaival ezeket megteremti. That is that. En ce lundi de Pâques, jour de résurrection, je retrouve la famille hongroise de Pierre Székely. Un rendez-vous organisé par le sculpteur quelques jours avant sa mort. Mit üzennénk neki? Semmit, mert itt van. Rien, puisqu'il est là. Itt van velünk. Kapsz egy szívet, egy Péter szívet hozzá. Mert ő abban segített nekem, hogy megtanuljam, hogy ami kint, az bent, ami fent, az lent. Folytonos és állandó, és a sötétség nélkül nincs fény, a fény nélkül nincs sötétség, és mindenütt örökké való, tehát állandó. És amikor erről beszéltünk, akkor kérdeztem az elmúlásról, és mondta, hogy hát ezt úgy kéne venni az ő véleménye szerint, hogy ami rég múlt, az elmúlt történés. Ami holnap lesz, az majd holnap lesz. Tehát azzal kell foglalkozni, ami ma itt van, a mával és az itt történt dolgokkal. C'est à l'époque où Pierre Székely vivait avec Martha, sa deuxième femme, que le poète György Somlyó l'a rencontré. Il se souvient des voyages qu'ils ont faits ensemble en Bretagne, dans les carrières de granit rose. Si une chose a réussi à lui, c'est ce que les pierres, entre guillemets, les pierres se manifestaient pour lui, pour être lui. C'est-à-dire, un peu... C'est peut-être mal dit, mais peut-être vous comprenez. Daniel, ça va? Ça va? Plus de 3 mètres, 3 mètres 20 en longueur. La largeur, ça va aussi. L'épaisseur aussi. Bon, alors on peut remonter a pierre. Ezek a nagy, óriási méretű kövek, amelyek őt nyomták, az egész életükben valószínűleg ezek nyomták, meg olyan nyomás volt rajta, biztos ifjúságától, már az első emigrációjától kezdve, hogy a kövek, olyan kövek nyomódtak rá, amiket fel kellett tartania valamiképpen. Atlaszként kellett feltartani őket. Tehát ki kellett nyomni neki, mint a súlyzókat, és minél jobban nyomták őt, annál óriásibb módon nyomta ő. Óriásibb köveket nyomott ő a világba. Qu'est-ce que je vois? Je vois, à ma grande stupéfaction, que le rien n'existe pas. Comment ça? C'est très simple. Je vois que je peux partir du côté positif autant que je veux, mais je ne peux pas partir vers le côté négatif avant d'avoir fait au moins un pas vers le côté positif, parce qu'il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à transformer en négatif s'il n'y a pas quelque chose de positif. Donc j'ai constaté qu'à la place du zéro, il y a non pas le rien, mais il y a un coefficient positif. Ce coefficient positif qui fait qu'il y a une priorité du côté positif. Je demande à Cathy Sandor, une de ses dernières élèves, comment il enseignait la sculpture. Il fallait imaginer les cristaux à l'intérieur du grand morceau. Il fallait imaginer aussi comment ces cristaux entre eux ils réagiront à travers un coup de marteau ou quand on les coupait avec la machine. Qu'est-ce qu'ils faisaient les vibrations à l'intérieur de la pierre. Et si on... Pierre m'a dit, si je réussis de sentir, si je réussis de me mettre à la place de ces cristaux, c'est comme ça que je pourrais être une unité avec la pierre. Et c'est comme ça que je pourrais transmettre mon âme pour la pierre. Dans la Hongrie occupée des années 40, Pierre Székely rencontre son premier maître, une artiste plasticienne du nom d'Anna Daloche. Ses enseignements spirituels seront réunis par Gita Malache dans Les Dialogues avec l'Ange, un ouvrage dont le succès a fait le tour de la Terre. Ce livre intense, habité par la force d'Anna, est la première chose que Pierre Székely m'ait donnée, comme la clé secrète de notre complicité. Tehát én azt gondolom, hogy az ő, tehát arról beszéltünk, hogy azzal kezdtük, hogy miből is állt az ő miszticizmussal. Én azt hiszem, hogy itt kezdődött, tehát a Hannával való kapcsolat és az, hogy a túléléshez, ez az angyallal való párbeszéd, az Anna párbeszéd, az angyallal ez a túlélésre segített egy társaságot. Én azt hiszem, itt kezdődött el az ő hite ebben a... Nem merem azt mondani, hogy túlvilági létben, de mégiscsak valami túlvilági valóságban. J'avais voulu savoir ce que lui avait vraiment appris son maître Anna Daloche. En fait, elle ne m'a pas appris à faire la sculpture, ni à faire le dessin, volontairement. Elle m'a dit, tu fais un dessin qui est bien, mais tu peux faire un coup de pied dans le dessin, ça n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est ce que tu es devenu en faisant ce dessin. Donc, elle s'occupait de l'être, en premier lieu. C'est une chose essentielle pour moi, qui est devenue de plus en plus importante dans ma vie. Nous habitons là-haut, dit Anna, dans la profondeur du cœur. Je vais voir la sculpture « Le ciel est sous nos pieds » au sud du Portugal. Je reste un temps infini, perdu devant ce Pégase qui, sous un certain angle, a plutôt l'air d'un chien à roulettes. Je me souviens de ce dernier dessin. Life is traveling, la vie est voyage. Traveling. Moi, je préfère traveling, parce que je traverse. Cela me fait penser à sa célèbre formule, la forme est trace de mouvement. Il l'écrit avec cette flèche qui est à la fois direction, mais aussi force. Et la boule, dans tous les cas, elle signifie toujours la plénitude. Que Pierre Zéchelli ait pu accéder au ciel qui était sous ses pieds, qu'il ait pu devenir enfin ce qu'il était, est pour moi ce matin une certitude. Je pars à Pécs, dans le sud de la Hongrie, voir son homme libre. Keresztül valóban bele tudsz lépni abba a szabad emberbe, és megtudhatod, vagy megtudhatod, hogy mit jelent az a szabadság, amit képvisel. Qu'on le veuille ou non, le ciel est sous nos pieds. Ez a múzeum, erről a múzeumról a Péter külön beszélt nekem, és azt mondta, hogy ennek az egésznek a lényege pont az 5 szobornak az egymás közötti viszonya és az ensemble, az a lényeg. Tehát nem feltétlenül egy szobor, nem is szeretnék kiemelni szobrot. Azt hiszem, hogy ezeknek a szobroknak a dialógusáról van szó. Ez egy nagyon kigondolt, nagyon részletesen, nagyon tudatosan a térbe állított 5 szobor, amik egymásról beszélgetnek. Itt és így. Péter egész életén átvonult ez a nomádság, ez a sehova se tartozás, és mégis mindenhova tartozás. Ebben benne volt Japán, benne volt Magyarország, benne voltak ezek a nagyon nem emlegetett háborús momentumok. Aztán persze Franciaország, Mexikó, tulajdonképpen az egész világ benne volt, mintha önmagába integrálta volna szép lassan ezt az egész világot. Qu'on le veuille ou non, le ciel est sous nos pieds, c'est-à-dire la terre sur laquelle nous marchons, ce globe que nous n'imaginons que très rarement en forme de globe, qui dans notre quotidien est plane, n'est-ce pas, qui nous permet de lever la main vers le ciel ou de montrer les profondeurs de la terre, fait partie du ciel, puisque c'est un astre, n'est-ce pas, nous tournons autour du soleil. Donc, nous sommes au ciel, en ce moment même, constamment. Et nous l'oublions pour la plupart du temps. Et si tous les gens qui lèvent leurs mains vers le ciel, n'est-ce pas, finalement, feraient ressembler notre Terre à une sorte de soleil qui rayonne dans tous les sens. Par contre, si nous montrons tous qui vivons sur la Terre vers le bas, eh bien, nos directions se rencontrent dans les centres de la Terre. C'est pourquoi les centres ont une réalité très dense, très forte. Elle nous permet de nous orienter dans l'espace cosmique, les centres. C'est les cosmonautes qui savent déjà ça, qu'il n'y a pas de haut et bas, il y a direction seulement.